les gars, c'est Nabetz, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour découvrir la toute dernière map de Devour, le manoir. Dans cette map, les personnages bien évidemment iconiques de Devour seront face à Abril qui se sera métamorphosé on va dire en une créature tout simplement horrible, hein, logique parce que c'est un peu le but de Devour. Bien sûr contrôlé par le démon de Azazel comme dans tous les précédents chapitres on va dire. Mais cette fois-ci cette map a l'air d'être bien plus complexe, bien plus remplie et bien plus terrifiante. Donc écoutez les gars, c'est parti. Pour ma part, je serai tout seul cette fois-ci, mais si un jour vous voulez me retrouver en compagnie de quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bah let's go, hein. Ah, il veut pas charger, mais vas-y. Le manoir. Oh, ça a l'air stylé. Allez, let's go les gars. Oh. Wiltshire, Angleterre, la membre du culte April North. Oh, la cinématique elle bug beaucoup. Reste sur le lieu de son mariage abandonné après la mort soudaine et tragique de son fiancé. Bon, normalement ça devrait plutôt bugger les gars. Dans une frénésie de deuil, April a utilisé les invités de son mariage comme sacrifice pour invoquer le démon Azazel. Oh, un corbeau. Il y a plein de corbeaux. Elle l'a supplié d'ouvrir des portails vers le royaume des morts, lui permettant de rechercher l'âme de son amoureux. Il y a une bouteille, il y a un miroir que Devour sur Twitter nous avait teasé. Cependant, Azazel a possédé April et en tant que membre du culte, vous êtes ici pour l'arrêter. Les ténèbres vous appellent. Oh là 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 là, let's go. Putain, masterclass, vous imaginez même pas comment j'ai trop hâte. C'est parti. Alors. Oh, c'est Waze. Allez, let's go. Wow, putain. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas lancé le jeu. Oh là là, c'est incroyable. Vous imaginez même pas, en vrai de vrai, comment je suis trop content. Wesh, le corbeau. Oh, il me regarde. Descends, viens là. Ok. Oh, tiens, des piles. Let's go. Oh, la map a l'air tellement terrifiante. Oh. D'accord. En même temps, vu le nombre... vu l'attente qu'on a eu pour cette map, franchement, il y a de quoi être content. Bah, frérot. Ah, il faut une clé, je suis sûr. Ah, ou tout simplement, ça s'ouvre pas ici. C'est peut-être ça, tout simplement. Il y a plein de morts. Calme-toi, frérot. Merci. Bonjour. Alors, je me suis absolument pas spoil, les gars. Je tenais à vous le dire. Je ne suis absolument pas spoil. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais sur un, avec tout le temps qu'on a attendu pour cette map, j'allais tout de même pas me spoil. Hein. Je veux la surprise du début à la fin. Ah, mes frères. Où c'est qu'on passe? Ah, mais là, c'est le début. Ah, peut-être ici. Ici, je pense, ouais. Ah, mais c'est quoi tous ces morts, là? Après, c'est censé être un mariage, hein, pas un enterrement. Pas vrai, Abril? Bah non, du coup, elle m'entend pas, elle est possédée, putain, je suis con. Il y a des corbeaux, je crois. Je crois que c'est ça, je crois que c'est des corbeaux. Allez, let's go, je l'ai utilisé pour rien. Oh mon dieu, c'est pas vrai. Bah tiens, une bouteille. Je me demande vraiment à quoi ça sert, hein, premier degré. Oh putain. Où est-ce qu'on passe? Ça commence bien. Avec moi, c'est tout le temps comme ça. Faut tout le temps que je me perds et que je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Mais c'est bizarre, ça s'ouvre pas ça. Ouvre la porte! Je suis sûr qu'il faut trouver une clé ou je sais pas quoi. Sur un cadavre, madame? Ah, pardon. Oh! Oh, qu'est-ce que c'est? Une plume. Ok, d'accord. C'est les collectibles de la map. C'est des plumes. C'est les fameux collectibles, très bien. Comme par exemple, je crois, dans l'asile, c'est des cerfs-volants, là, ou des morceaux de cerfs-volants, tout ça. À la ferme, c'est... Je sais plus. Mais voilà, c'est du petit collectible pour ensuite obtenir des tenues comme la mienne, là. Comme la mienne que vous avez pu voir en début de vidéo. Oh, ici, bah tiens. Oh, putain. Mais je suis où, frérot? C'est une dinguerie. Même rien que l'extérieur, c'est immense, alors l'intérieur, j'imagine même pas. Il n'y a pas de retour en arrière, après, hein. Bon bah allez hein, bismillah. Oh le frérot. Putain de piaf là. Fuck you, ah cimer hein.
Putain, ça m'insulte déjà, je viens à peine d'arriver, ça m'insulte, frérot. Ça me jumpscare, ça m'insulte, putain, c'est merde, hein. Merci les gars. Mais c'est quoi tout ça? C'est elle? Non, tu dirais pas. Je sais pas, c'est quoi cette bouteille? Oh, c'est là qu'on va sacrifier les corbeaux. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'on sacrifie. Je sais pas si c'est des corbeaux, des... Je sais pas du tout. D'accord. Bon, part de gâteau. D'accord. Oh mon dieu! Les parts de gâteau, c'est pour attirer les trucs. Par contre, je sais pas c'est quoi justement qu'on attire. Oh bah tiens. Michael est mort, je ne peux pas y croire. Il est mort, je viens de parler à maman au téléphone, je tremble, nous sommes censés nous marier plus tard. Je ne sais pas quoi faire, cela ne peut pas être réel. Je dois être en train de rêver, c'est un cauchemar. Pourquoi je ne peux pas me réveiller? Elle est complètement tarée. Hein. Elle est tous, quand ils écrivent quelque chose, ils sont tous complètement tarés. Ça va toi? Tu veux ça? Viens manger! Oh, pardon monsieur. Je vous ai marché sur les os. Oh putain. C'est quoi, c'est... Où est-ce que ça m'enfonce, là? Putain, là... J'imagine pas la taille de la taupe, hein, pour faire des trous comme ça. Oh, et là, du coup, je rentre dans le manoir? Oh, la dinguerie. Ça va, je peux arranger ça. J'ai vu le rituel pour invoquer Azazel. Je pense que je peux le faire. Je vais lui demander d'ouvrir un portail vers le royaume des morts. Puis je trouverai Michael là-bas et nous pourrons être ensemble à nouveau. J'ai juste besoin de sacrifices. Les têtes seront les meilleures. Complètement taré, hein, putain. Comme tout le temps. Bon bah écoutez, j'en garde un avec moi, au cas où j'ai un petit creux. Attends, je peux... Oh, trop bien! Bon, l'écriture, j'y comprends rien. Oh! Mais il était rien que là, la map! Putain, c'est énorme. Tiens, le miroir, c'est quoi? Comment il me regarde? Doucement, frérot. What? Stranger Things! Je passais dans une autre dimension! What? Derrière la porte? Ou au-dessus? Et je vous jure, c'est Stranger Things, les gars! Vecna? Putain. J'imagine que c'est les victimes, hein? Bah ouais, parce que sinon ce serait pas drôle. Tout est fermé, même si c'est abusé. Oh, des questions que je passe. Elle est juste derrière, je le sens, elle m'attend. Je passe pas, je vous le dis. Ah non, mais elle est encore derrière, je crois. Mais je suis où là? Il y a trop... Le manoir a l'air énorme, hein, franchement. Et encore, hein, je pense que j'ai vu vraiment qu'une petite partie, puisque j'ai fait l'étage, là, je crois, seulement. Et encore, il manque des portes. Mon dieu, mais ça a l'air immense. Ah, sympa les couverts, putain. Ça rappelle la scène dans Scream, là, je crois que c'est dans le 2. C'est, ils plantent le poignard, là, dans la porte, et puis ils le retrouvent de l'autre côté. Ah, putain. Non, c'est ça, c'est dans le 2, dans les toilettes. Ah, putain, mais je suis là? Ah, d'accord. Bon, bah, écoutez. Bon, bah, salut, hein. Je prends le gâteau, puis je me barre, hein. Ouais, je, doucement. C'est quoi, ça? C'est quoi? C'est quoi? Mais... Ah, les bâtards. C'est quoi ces mains, frérot? Attends, j'ai réussi à mourir, j'ai même pas vu le monstre de la partie. C'est une blague? Ah, bah on va le voir, le monstre. Merci. Maintenant, on sait à quoi ressemble le monstre et tout, hein. Ça, génial. J'avais même pas que je pouvais mourir comme ça. S'il vous plaît. Non, ça, franchement, c'est pas cool. C'est vraiment, vraiment pas cool, vraiment. Bon, ça, du coup, je fais bien attention, hein. Je marche pas dessus, hein. Ah mais je suis con, mais oui! Putain mais j'avais complètement oublié qu'il fallait faire comme ça. Je croyais qu'il fallait que je les regarde et puis tu sais que j'appuie genre sur E et tout. Sur une touche. Ah d'accord, ok. Putain mais je savais même pas. J'avais complètement oublié que tu sais on pouvait faire comme ça. J'avais complètement oublié. Au pire on enfonce la porte là. Après hein. Ça se trouvait là en bas hein. En fait hein. Waouh! Doucement les gars. Putain je saute ça fait rien. Ça fait rien ça aussi. Ça se trouve faut que je donne un bout de gâteau à la porte. Tiens, tiens du gâteau. Bruh. Ouvre-toi maintenant. One eternity later. Putain mais frérot, j'y comprends rien.
Ah. Ben, je crois que je sais où elle est maintenant. Oh, putain. Salut. Bon, bah c'est parti, du coup là, il y a plein de portes qui sont ouvertes, du coup, je pense. Elle est pas belle, hein. Comme tous les monstres sur son dévour, hein, j'ai envie de te dire. Mais elle en particulier. Elle tousse? L'isopaïne. Elle va pas bien, la vieille. Oh, elle est là. Elle va vite! Je trouve qu'elle va vite, hein. Clé balcon. Mais c'est quoi ces couloirs horribles? Non, au premier degré, ça va être horrible pour s'en échapper, hein. Oh, mais t'imagines. T'imagines à plusieurs, ça doit être un carnage. Puis alors, faut pas activer les collisions, hein. Wow. Désolé. Salle de bain rez-de-chaussée. Ok. On se calme? Le miroir là. Placard. Très bien. Salle de bas de l'étage. Bibliothèque. Tu vois, c'est maintenant quand tu fais le tour des clés et tout, des salles et tout qu'il te faut. C'est là que tu dis. Putain, la map est énorme. C'est là que tu dis. Mais en fait, à part. En vrai, la map a l'air pas si grande que ça. Hein. Je sais pas pourquoi, mais. J'ai comme l'impression que, bah voilà, elle sera pas si grande que ça, la map. What the fuck, c'est quoi ça? Saloperie. Oh! T'es quoi toi? C'est dégueulasse, mais vas-y, je te prends. Oh mon dieu, elle est là. Oh, je t'ai pris une de tes têtes, hein, mais vas-y. Hein. Mon dieu. Oh, je sais pas c'est quoi ce truc que j'ai récupéré. Mais bon, vas-y. Hein. Ah, salut! Elle est juste au-dessus. Bon, tu sais quoi? Moi, je me casse de là. Parce que tu sais quoi? Bah, c'est terrifiant. Mais j'ai l'impression aussi. Et ça, je trouve que c'est franchement. C'est pas vrai! Mais non, les corbeaux, c'est les ennemis. Incroyable. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, par contre, le score va pas être énorme. Hein. Je vous dis instantanément, le score va pas être énorme parce que je suis tout seul et que bah, c'est tout nouveau. Et que je ne connais pas. Donc bon. Ah! Ah, le pauvre. Oh, le crâne. Un sachet, un sac poubelle. Oh! Ah, c'est dégueulasse, mais en fait, c'est une. Oh putain, je dois aller mettre sur les cadavres. Oh, dans les tombeaux dessus. Non, t'y crois? Faut que j'aille replacer leur tête dans leur cadavre. Oh non, c'est une dinguerie. C'est. Attends, guette la gueule qu'il a. Ah oh, putain. C'est. Ah ouais, d'accord. Putain. La vache. Mais en fait, j'ai l'impression que. Elle peut vraiment aller que. Tu sais, dans les. Que dans l'endroit bleu là, la Stranger Things là. Tu sais, quand tu passes un miroir là. Je pense qu'elle ne peut que aller par là. Je pense. Oh mon dieu! Tais-toi! Oh mais c'est pas sa tête! D'accord, c'est pas son corps, c'est pas sa tête, c'est pour ça qu'il va pas bien. Et en plus de ça, bah tu sais, il y a. Cette tête n'a pas sa place ici. Ah mais si, c'était ça! Il y avait pas ce message, il y avait pas ce message tout à l'heure. Ah, il faut que je trouve une pelle maintenant!
Ouah, la blague. On bouge pas, mon ref. J'arrive. J'ai trouvé la pelle. Et puis tu dors. Mais bon, faut pas que je ferme le cercueil avant. Non, même pas. C'est gore, un peu aussi, hein. C'est gore. Alors, elle est où la pelle? Alors là, où elle est, j'en ai aucune idée par contre. Peut-être ici. Oh, il y a une petite fille ici. T'as vu, moi je marche dedans, putain, mais quel connard. Oh, me tiens plus. Oh, putain, mais c'est quoi cet endroit? Non, mais en fait, c'est énorme. Et moi qui disais au début... Ah, bah tiens, la pelle. Moi qui disais au début, ouais, bah franchement, elle a pas l'air si énorme que ça, la map. Ça a l'air d'aller. Ouais. Oh, les jerrycans comme dans la ferme. Oh, bah tiens. Ça, c'est tous les morts. Oh là là. T'as la gueule du mariage, quoi, putain. Oh, bah tiens. Azazel m'a forcé de le faire. D'accord. Bon, bah, en même temps, t'as un petit peu cherché, hein. Michael est mort, mais t'as voulu le rejoindre. Donc bon, t'as un petit peu forcé aussi. Je vais aller enterrer le monsieur là-bas, là. D'ailleurs, il est où? Ah, c'est pas toi. Ah, il est là, je crois. Ouais, c'est ça, c'est là. C'est l'entrée. Oh, le bâtard! Reviens là, toi! La saloperie, il a volé sa tête! Oh là là, la dinguerie! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Et là, je vais en chier, là, mon pote. Je cours. Adieu. J'aime pas ce bruit. J'aurais dû laisser la pelle dehors, merde. Fais chier. Est-ce qu'elle va venir? Sachant que je suis qu'à 1. Puis je fous un coup de pelle, bam, comme ça, frère. Ça fait mal un coup de pelle, non? À mon avis, contre un démon, c'est plutôt la pelle qui a mal. Hein. Par contre, ça me tue vraiment de rire, hein, là, le fuck you. Hein. Bon, bah écoutez, j'y retourne. Hein. Elle arrive! Elle est pas contente en plus. Mais je l'attends. Je stresse, je vous promets, je suis en panique totale. Je me casse. Oh mon dieu! Je me casse. Oh bah chouine, pleure, mais va plus loin. Merde, faut que je trouve un bout de gâteau. Un gâteau, s'il vous plaît. Putain, bah si, elle vient bien ici, hein. Elle a spawn dans l'overworld. Bon, bah salut, hein. Bon, bah au moins maintenant je sais où elle est. Bon, maintenant je pars par ici. Il y avait une tête qui s'est enfuie tout à l'heure. Elle est où? Dans le coin, là, je crois. Mais en vrai, en solo sur cette map, je pense que ça peut être... Oh, bah tiens, viens là, truc. Non. Viens là. Oh, j'aime pas ce bruit. Je vous le promets, j'aime vraiment, vraiment pas ça. C'est vraiment très fortement inspiré de Stranger Things, par mon premier degré. Je suis très sérieux. C'est même sûr et certain. Bon, allez, ciao. Alors, je vais mettre une deuxième tête, du coup. Je dépasserai pas les trois, hein. Je vous le dis. Enfin, allez, 4. En tout cas, ça va être chaud. Let's go. Ah, d'accord. On a Dwight Fairfield, comme dans Dead by Daylight. Wesh! Oh, j'allais dire wesh, elle est passée où la tête? Ah, d'accord, putain, ça m'a fait peur. Où il est ton corps de merde? Tu crois qu'ici elle peut t'atteindre en vrai si tu montes là? Moi, je sais pas. Mais vu qu'elle flotte, c'est possible.
Oh là là, c'est pas vrai. Oh, j'espère qu'il n'y en a pas. Attendez, mais je viens de capter. Vous pensez qu'il y en a dans le truc, l'endroit un peu Stranger Things? Putain, c'est sûr et certain. Mais c'est bloqué. Mais c'est que en intérieur ici. Elle pleure. Bah pleure, mais va plus loin. Je trouve pas ton putain de cadavre là. Il est où? Elle tousse. Oh. Oh, ils partent rapidement les corbeaux. Franchement, c'est bien. Mais en même temps, je me dis, c'est très mauvais signe. Parce que s'ils partent rapidement. Putain, c'est énorme. Parce que je me dis, s'ils partent rapidement les corbeaux, ça veut dire qu'à un moment donné, mon pote, on va en avoir plein, plein, plein qui vont spawn. Ça va être horrible. Oh, m'a fait peur. Non! Je pars. Je suis pas là. Putain, mais elle tousse comme les mecs là. Vous savez, les pillards là dans Minecraft Dungeons, quand on les frappe. Elle tousse pareil. Ça fait le même bruit. Bon, ça, c'est pas le même bruit ça. Ah putain, il y a un passage là. Ah, mais il y a rien. Après, ça se trouve, le mec n'a pas de tombe. Attends. Ça laisse. Ah, mais attends. Il y a un autre passage là. Mais oui. Ah, mais oui, c'est sûr, c'est là. C'est dans le coin. Ah bah là. Ah putain même. Ah puis du coup moi faut que je trouve. Ah oh, fait chier. Faut que j'aille récupérer la pelle. En vrai, à 4 joueurs, ou même à genre 3, la map peut être très facile. Il sait genre il y en a un, il s'occupe de tuer les corbeaux, tout ça, pendant qu'il a la pelle tout le long. Et les autres ils sacrifient et tout, ils enlèvent. Ils font chier la méchante et tout. En vrai ça peut être facile. À 4, à 3, même 3, ça peut être facile. Ça peut être bien, je pense. Ça peut se faire facile. Ça peut se faire facile, je pense. Mais bon, pour moi, c'est pas pour tout de suite. Mais après, si vous le voulez, peut-être qu'un jour, on sera plusieurs dessus. Allez, le vieux. Mais. Elle est où? Elle parle en plus! Doucement, j'ai compris. Viens alors, je t'attends. Bon, bah écoute, je vais l'attendre. Wow! Ah, mais elle est là, cette conne! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Reviens! Vas-y, elle me fait stresser, mais elle fait le tour de la map, cette imbécile. Oh! Mais elle arrive par là, en fait. Bah alors, mamie, t'es essoufflée ou c'est comment? Oh là, j'ai rien dit. Je plaisante. Oh putain. Ça gueule de tout partout, mais elle est pas là. A few moments later. Bon, il s'agirait de venir à un moment donné. Moi, je t'attends, hein. C'est pas que je porte pas mes balls. C'est juste que. Bah, après, ce sera beaucoup plus pratique après pour partir. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette conne? Mais reviens, putain. Viens là, putain. Oh, bah, tiens. Les deux pour le prix d'un. Parfait ça. T'as les bruits, c'est abusé. T'as, elle est en train de perdre son âme. Alors qu'elle en a déjà plus, tu sais. Techniquement, t'as capté. Mais vu que c'est un démon et tout, plus d'âme. Bref. Ah, je suis fatigué les gars. Mais frère, on dirait qu'elle se prend des dégâts, t'as Minecraft. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette conne? Mais t'es conne ou quoi? Mais arrête! Putain, mais t'es taré! Oh mon dieu, vite, casse-toi! Non, 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 cours, 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 cours! Non! Le portail! Qu'est-ce qu'elle est conne?